Marie a 17 ans et veut devenir esthéticienne. Pourtant, aujourd'hui, pas question d'épilation ou de soins du corps. Nous avons vu les caméras, certains angles de vue, tenir la perche pour les micros. Pendant une semaine, 10 jeunes filles en section esthétique d'un lycée nîmois vont s'initier au tournage, à l'interview et au montage. Objectif, la réalisation d'un documentaire sur la centrale éolienne de Port-Saint-Louis-du-Rhône. À l'origine de ce stage, une idée simple. L'idée de partager notre savoir-faire. On a proposé l'idée donc, au lycée Voltaire et un professeur d'histoire géo qui est en train de monter dans son lycée une petite TV a eu l'idée de nous faire venir. Au programme également, la sensibilisation à l'énergie éolienne et au paysage de la Camargue. Tout le matériel mis à disposition des jeunes reporters est écologique. Plus de cassettes dans les caméras, un car régie équipé de panneaux solaires et d'écrans à faible consommation. C'est sûr, l'énergie, ce sont elles qui la dépensent.